Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Chaud. Encore Céline, il n'est pas prêt de nous lâcher. Ce sont les mots de Pierre Assouline dans son blog qui réagissait à la mise au ban de Céline des célébrations nationales à la demande de Serge Klarsfeld. En effet, le ministre de la Culture, vous le savez, a décidé de ne pas faire figurer Céline dans les célébrations nationales. Réaction immédiate de Frédéric Vitoux, l'un de mes invités. Retirer le nom d'un catalogue, c'est aussi vain que Staline faisant effacer les photos des dirigeants communistes qu'il n'aimait pas. Ça n'empêchera pas que Céline a écrit des horreurs et qu'il est l'un des plus grands écrivains français. Nier que Céline est traduit dans le monde entier, même en hébreu, c'est ridicule. Et vous ajoutiez, Frédéric, je serais Serge Klarsfeld, je voudrais au contraire qu'on multiplie les études sur Céline pour comprendre comment il a pu écrire Bagatelle pour un massacre. Tout le débat qui va nous réunir est posé dans ces termes. François Gibault, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de la Société d'études céliniennes, biographe de Céline et avocat de Lucette Destouches. Frédéric Vitoux de l'Académie française, biographie de Céline chez Grasset, un récit sur Bébert, son chat. Et puis chronique de Dominique Jamais. Qu'y avait-il dans le dossier du procès Céline, puisque c'est aux éditions du Lureau qu'on a les dossiers de la Cour de justice de la Seine et du tribunal militaire, texte établi par Gaël Richard. Alors, démarrons de cette polémique pour évidemment après élargir le champ, parce que la polémique elle-même n'est pas très intéressante. François Gibault, vous avez été surpris ou vous êtes dit, bon, une fois de plus, c'est toujours finalement... le règne du politiquement correct concernant Céline qui sévit à nouveau ? Ça ne m'a pas surpris. J'étais présent quand Frédéric Mitran a fait son discours. Je lui ai dit après, d'ailleurs, qu'il avait parfaitement raison. Il fallait éteindre l'incendie. Hein. C'était devenu absolument insupportable. Je dirais seulement que je ne vois pas très bien pourquoi il existe des célébrations nationales. Je vous ai apporté une petite citation très savoureuse de Jean Dubuffet, puisque je défends non seulement l'œuvre de Céline, mais aussi celle de Dubuffet. Voilà ce qu'il a écrit il y a plus de 30 ans. « On a trouvé mieux maintenant, c'est de célébrer en pompe un faux semblant d'art pour étouffer le vrai. C'est de quoi sont chargés dans les nations bien gouvernées les corps constitués de la culture. » Vous m'accorderez que ça s'applique exactement à la situation. Céline n'avait pas besoin d'être célébré. Il est célébré dans le monde entier par ses lecteurs, et c'est ça la vraie célébration d'un écrivain. Mais tout de même, la démarche de Serge Klarsfeld me choque. Elle me choque parce que l'effet voulu par lui est exactement le contraire de ce qu'il voulait. Hein. Qui est dans les célébrations nationales ? Personne n'en sait rien. En revanche, la France entière aujourd'hui, grâce à Serge Klarsfeld... C'est que Céline aurait dû y être. C'est que Céline aurait dû y être et ne s'y trouve pas. Hein, voilà. Et puis alors, pour moi, il y a aussi un effet négatif, c'est que ça risque surtout de réveiller des vieux démons. Hein. Il y a en France, malheureusement encore, un antisémitisme latent, dormant, qui ne demande qu'à se réveiller. Je crois que l'initiative de Serge Klarsfeld aura eu surtout pour effet de réveiller cet antisémitisme dormant. Je crois que c'est tout à fait regrettable. Frédéric ? Oui, d'abord, il y a une certaine chose, c'est un point assez savoureux et même ridicule, c'est que cet ouvrage avait déjà été imprimé et déjà été envoyé à tous ceux qui ont vocation de le recevoir. Donc il avait été tiré à 10 000 exemplaires, tout le monde l'avait reçu. Donc dire qu'on le retire, c'est un effet de manche, mais ça ne correspond à rien, parce que tout le monde l'avait déjà reçu. Deuxième chose, on peut discuter du mot « célébration ». En fait, la brochure devrait s'appeler « commémoration ». On se souvient qu'il y a 50 ans est mort tel écrivain ou est né tel autre, etc. Le mot « célébration », si le mot « célébration » veut dire « célébrer », en quelque sorte célébrer un culte auprès de quelqu'un, oui, je comprends, quasi religieux, je comprends qu'il puisse choquer. Mais il y a une phrase de Klarsfeld que personne n'a relevée que je trouve très choquante. C'est à la fin de son communiqué, il disait « Le temps n'est pas encore venu de mettre sur le même plan les bourreaux et les victimes ». Et moi, je pense que le temps ne sera jamais venu pour personne de mettre sur le même plan les bourreaux et les victimes. On ne confondra jamais un esclavagiste et un esclave, un assassin et un assassiné. Donc, cette manière de dire un temps viendra, on mettra sur le même plan les bourreaux et les victimes », non. Maintenant, en effet, comme l'a dit justement François Gibault, Céline... n'a pas besoin de qu'on rappelle qu'il est mort il y a 50 ans. Céline est un des écrivains les plus vivants d'aujourd'hui, les plus compliqués aussi, les plus contradictoires, les plus complexes.
Et ben, parlons de Céline, voilà. Et oublions cette polémique un peu vaine et cette attitude de Frédéric Mitterrand un peu empressé à faire le contraire de ce qu'il faisait quelques semaines avant. Dominique Jamais. Frédéric Vitou vient de le rappeler, il y a une différence qui peut-être va être introduite désormais d'ailleurs entre célébration et commémoration. Je suis tout à fait d'accord. Et d'autre part, s'il y a quelqu'un avec qui les mots honorer, célébrer, vénérer ne collent pas, c'est bien Louis Ferdinand Céline, qui aurait été probablement surpris. D'être inscrit un moment dans les célébrations et même dans les commémorations, c'est pas son genre. Toujours c'est l'article 75 au cul, quoi, pour reprendre. L'événement est très célinien, d'ailleurs, hein, parce qu'il avait eu le Goncourt une semaine, la semaine suivante, il l'a plus eu. On a classé sa maison, la semaine suivante, elle a été déclassée, cette fois-ci, il est dans les célébrations, puis la semaine suivante, il n'y est plus. Et on parle de lui. Cela dit, célébration, si un État célèbre, ça veut dire qu'il donne le nom d'une rue à un écrivain, donne le nom d'un collège, d'un lycée. À ce titre-là, il n'était pas question de célébration officielle, en ce sens que la République n'avait pas d'ailleurs du tout l'intention de célébrer Céline par l'inauguration d'une rue, d'un boulevard, d'une impasse, d'une école, d'un lycée. Donc, en plus, c'était ridicule. Il va de soi que le mot célébration voulait dire commémoration, et c'était joué sur les mots que de son avis. Alors, Frédéric Vitou, revenons à vos mots que je citais au début, lors de votre réaction à cette décision de Frédéric Mitterrand. Au contraire, étudions Céline et voyons comment un des écrivains les plus géniaux du XXe siècle a pu commettre des textes d'un antisémitisme écœurant, encore aujourd'hui, pour dire à Serge Frère. Je dirais même pas encore aujourd'hui, je dirais surtout aujourd'hui, en tout cas surtout depuis la guerre, surtout depuis la découverte de la Shoah, où ces textes sont devenus insoutenables. Maintenant, justement, comprendre l'antisémitisme, c'est un énorme sujet très compliqué. Si l'on veut étudier l'antisémitisme des écrivains, disons, d'extrême droite, Brasillach, Robatet et les autres, je ne dis pas que c'est simple, mais on voit d'où c'est ça vient. C'est culturellement plus facile à identifier, voilà, Dominique Jamais, on est d'accord. C'est une droite maurrassienne, nationale, antisémite, qui vient de Drummond. C'est des gens qui ont fait allégeance au national-socialisme antisémite. On voit comme... Dans le cas de Céline, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'un homme comme Sartre, quand il a voulu traiter la question de l'antisémitisme, devant l'antisémitisme de Céline, s'est trouvé très, très perplexe. Et donc donne comme explication, si Céline a épousé les thèses antisémites des Allemands, c'est qu'il était payé, ce qui était une absurdité. Mais cette absurdité traduit, chez Sartre, qui était tout sauf idiot, un embarras. Parce que... Et la mesure de la complexité de la chose. Ce qu'on peut dire, et c'est ce que dit d'ailleurs Léon Poliakov dans son histoire de l'antisémitisme, ça n'explique pas tout, mais c'est la clé principale, à mon avis, des gens qui ont lu Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, qui, contrairement à ce que les gens savent, ce n'est pas des écrits de la guerre, mais de l'avant-guerre, de 1937 et 1938. C'est le pacifisme. Poliakov le dit, c'est une sorte de pacifisme dévoyé qui fait que Céline... ancien mobilisé de 14, plutôt engagé dans l'armée un peu de temps avant la guerre, blessé, pacifiste à tout craint, se dit « plus jamais ça ». Et il voit les Juifs qui sont persécutés par Hitler, et donc être contre les Juifs, c'est être contre ceux qui vont nous pousser à la guerre. D'où les titres des livres, « Bagatelle pour un massacre » et « L'école des cadavres », qui ne sont pas les massacres ou les cadavres des Juifs, mais c'est les massacres ou les cadavres soit passés de la guerre de 14, soit de ce que sera la nouvelle boucherie de la guerre à venir. Et même ce titre-là a pris, avec l'horreur nazie, un autre sens. Donc je pense que le pacifisme est une des raisons... celle que met en valeur Léon Poliakov à juste titre, de l'antisémitisme. Là-dessus, il y a, je dirais, la folie ou le grossissement de la vision célinienne, qui est un homme emporté, c'est un homme qui, à partir d'un fétu de paille, va faire un océan... Oui, qui est dans l'excès, mais dans l'excès au sens où c'est la matière première de sa rhétorique et de son écriture aussi. Et donc, il y a une sorte de folie qui devient, en effet, à la lumière de ce qui s'est passé, insoutenable. Je ne veux pas dire que c'était soutenable avant, mais en effet, des gens comme Gide, des gens comme et d'autres intellectuels pouvaient prendre ça à la blague à l'époque, pouvaient croire que c'était une blague. Et Céline lui-même croyait que c'était des bagatelles, il croyait que c'était des petites choses rigolotes, un peu excessives, et que les Juifs allaient le remercier pour ce livre-là, parce qu'il allait empêcher la guerre. Donc, c'est assez compliqué, le problème de Céline.
Oui, j'adhère à ce que vient de dire Frédéric Vitoux. J'ajoute que sur le livre Bagatelle pour un massacre, il y avait une bande sur laquelle il y avait écrit « Pour bien rire dans les tranchées ». Ça explique bien l'intention de Céline qui voulait tenter d'éviter la guerre. Il l'a dit après la guerre, d'ailleurs. Moi, j'avais fait la première guerre pour l'Alsace-Lorraine, je ne ferai pas la seconde pour les Juifs. C'était extrêmement clair. Hein. Je crois que c'est ça l'intention première. Il reste tout de même que Céline était antisémite. Hein. Ah, ça, c'est pas contestable. C'est-à-dire que vous seriez venu sur notre plateau pour démontrer l'inverse, je pense que je vous aurais repris. Voilà, non, mais il faut savoir qu'il est né l'année de l'affaire Dreyfus, dans un milieu de petits commerçants qui était très antisémite, comme énormément de gens à l'époque. Et que, voilà, bon, ça explique un peu l'antisémitisme de Céline. Et puis aussi, il avait été en 1936 en Union soviétique. Et il en était revenu violemment, foncièrement anti-soviétique. Et il voyait bien comment évaluait l'Europe, et il pensait qu'il valait mieux que les Allemands s'affrontent avec les Russes que de voir les démocraties s'affronter avec l'Allemagne. Voilà. Je crois aussi qu'il y a cette espèce de calcul politique. Ouais. Voilà. Et dans le deuxième livre, antisémite, c'est-à-dire l'école des cadavres, dont le titre est également très très parlant, eh bien, il va dire non. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire une espèce d'armée franco-allemande entre guillemets contre les soviétiques. À tel point même que je suis partout et que les Robatet et autres disent c'était tellement excessif qu'on n'a même pas pu défendre ce livre dans la presse d'extrême droite française. Ce qui prouve bien le côté. Mais ce qui est très curieux, c'est que c'est vrai qu'il y a ce côté antisémite. François Gibault a parfaitement raison de le rappeler, ce milieu. Mais si l'on veut comprendre ce qu'est l'antisémitisme de la France moyenne, de la petite bourgeoisie française nourrie de ce ressentiment antisémite que le Front populaire, Léon Blum, va accentuer avec ce que l'on sait, je dirais qu'il y a un livre qu'il faut lire. C'est « Mort à crédit ». C'est « Mort à crédit » où Céline fait le portrait le plus cruel d'un antisémite de la France moyenne en le dénonçant. L'antisémite de base, quoi. C'est-à-dire que c'est son père. Mm-hmm. Son père est un petit bourgeois employé dans une compagnie d'assurance qui est un peu barré par ses supérieurs, qui n'a pas l'évolution de carrière. Et qui est dans le ressentiment perpétuel. Et qui dit « c'est la faute des Juifs ». Et donc, très curieusement, Céline, qui dans ses romans n'a jamais créé un personnage de juif avec les poncifs du juif que l'on trouvera aussi bien chez Simenon que chez Jacques de la Crotelle, chez tous les écrivains, enfin la plupart des romanciers de l'avant-guerre. Chez Nemirovski. Oui, mais chez beaucoup. Le juif, comme personnage romanesque, est toujours attribué levantin, douteux, etc. Chez Céline, jamais. Il n'y a pas un personnage romanesque de juif qui a des attributs, je dirais, racistes ou des conformismes racistes. Au contraire, dans l'œuvre romanesque de Céline et dans Bagatelle pour un massacre, il y a le portrait le plus exemplaire, le juif comme bouc émissaire des ratés. Et c'est pour ça que, tout en voyant une cohérence, en effet, sociologique, si je puis dire, à l'antisémitisme de Céline, on se dit comment Céline, qui dénonce justement cet antisémitisme... Oui, comment on passe de mort à crédit à Bagatelle. Je pense que Céline vous voyez, quand il revient de Russie, Céline est très marquée par ce totalitarisme soviétique qui l'effondre. Et il écrit un petit texte peu connu, mais très beau, qui s'appelle « Mea culpa ». Et où il dit, en substance, « La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. C'est ça qui rend les gens si venimeux, crapules, imbuvables, etc. » Donc, l'espoir d'un monde meilleur lui paraît une sorte de promesse d'un enfer très, très certain sur Terre. Et à un moment donné, face à une guerre qu'il sent, il tombe dans ce travers et il désigne un bouc émissaire pour se rassurer en quelque sorte, comme il démontrait très bien ses mécanismes de bouc émissaire dans ses livres, dans Le Voyage et dans Mort à crédit. Et là, il y a une sorte, comment dire, il tombe dans ce péché, je dirais presque, d'optimisme. Dominique Jamais, on a les éléments du Pulse réunis par les interventions qui viennent de se succéder. À la fois le traumatisme de la Grande Guerre, dont on ne dira jamais assez comment culturellement elle détermine et surdétermine
beaucoup de choses qu'on peut lire dans les années d'immédiat avant-guerre, l'anticommunisme, voilà, c'est de ce marigot-là que va sortir finalement le meilleur et le pire, j'allais dire. Ben, l'antisémitisme de Céline, c'est assez vain en effet d'essayer de le rattacher à quoi que ce soit d'autre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il se rattache à tout. Il est totalisant, il est globalisant, et il devient, au fur et à mesure que les années obsessionnel. Passent, obsessionnel. Et comme les antisémites à la française, Céline dénonce, à l'occasion quand même, même facilement, le juif métèque, le juif génétiquement juif, cette tourbe, cette race bizarre. Comme l'extrême gauche, il dénonce dans le juif le fauteur de guerre, c'est très très important, et puis également le capitaliste. Le banquier, le riche. Le banquier, le riche, etc. Le cosmopolite. Et puis il dénonce le juif crasseux venu des ghettos d'Europe. C'est sous tous ces aspects que Céline déteste, vomit le juif. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est typique, c'est que il y a un élément qui vient aussi et qui viendra nourrir constamment l'antisémitisme de Céline, c'est que au fur et à mesure que les années passent, il s'aperçoit qu'il n'est pas aimé par les juifs. Les juifs ne raffolent pas de Céline. Et après, déjà pendant la guerre, mais surtout, naturellement, lorsque viennent ces ennuis judiciaires, il voit dans les juifs des gens acharnés à sa perte. Ça ne fait que nourrir davantage l'antisémitisme en question. Mais est-ce que vous faites une différence, j'allais dire, de nature, comme Frédéric Vitoul tentait de le faire, entre ce rapport mis en scène de l'antisémitisme dans Mort à crédit et l'antisémitisme qui n'est plus du tout mis en scène, mais qui est en quelque sorte, qui le submerge lui-même de bagatelles. Écoutez, parce que voilà, c'est les deux pôles qui sont les plus intéressants. Frédéric Vitoul le rappelait à l'instant, l'antisémitisme de Céline allait au point qu'il gênait beaucoup d'antisémites. Je ne dirais pas qu'ils étaient modérés, mais ils le trouvaient irrationnel, ils le trouvaient dément. Bah, si l'antisémitisme de Céline était tellement fou que les Allemands ne l'ont pas utilisé. Quand il a été question à un moment de faire de Céline un haut commissaire aux questions juives, mais non, on ne va pas mettre quelqu'un qui est incapable d'accepter de toute façon, mais quelqu'un qui est incapable d'administrer, de gérer, de rationaliser. Bah, quelqu'un qui disait que les Bourbons, il fallait voir leur nez, ils étaient tous juifs. Il y a, c'est Céline, cette base viscérale rappelait François Gibault, mais cette amplification folle du juif qui prend tout sur lui. Mais j'avais publié dans le Nouvel Observateur, il y a une douzaine d'années, un truc très curieux, c'est d'une correspondance de Céline avec un écrivain israélien qui s'appelait Ovadia, qui n'avait pas parti du Mossad, et qui avait écrit dans les années 50 à Céline pour lui dire s'il pouvait l'aider à passer son manuscrit à Gaston Gallimard. Et Céline dit « Bien sûr, je vais le faire ». Et en effet, on peut vérifier par les correspondances avec Gaston qu'il a fait ce qu'il fallait. Pour l'aider, ça n'a pas marché, mais il a fait. Et il écrit à cet homme. Et il n'écrit pas à cet homme pour se faire bien voir et se faire pardonner, car c'est une correspondance qui était parfaitement intime et qui n'a jamais été révélée, sauf bien 30 ans après sa mort ou 40 ans après sa mort. Et les lettres de Céline sont complètement folles, parce qu'il lui écrit, cher ami, et il termine ses lettres par des phrases « Que les dieux d'Israël, de Jéhovah et du tonnerre soient avec nous, je vous embrasse, Céline ». Et il lui demande, mais comment ça se passe, Israël? Comment ça se passe, les kibboutz? Et il a une sorte de fascination pour ça. Donc, moi, plus j'ai étudié Céline, ça fait quand même quelques décennies, moins j'y comprends quelque chose. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce que dit Dominique Jamais, tout ce que dit François Gibault est vrai mais fondamentalement. Et en même temps, on est pris dans un réseau de contradictions absolues. Alors, moi, je risque, je vous soumets l'hypothèse qui est un peu iconoclaste. Est-ce que, au bout d'un moment, le juif, sous la plume de Céline, n'est pas une sorte d'entité qui s'est totalement déréalisée de son substrat matériel? C'est-à-dire, est-ce qu'il parle encore des juifs quand il écrit les juifs? Parce que c'est ça dont on a l'impression quand on lit Bagatelle pour un matin, c'est que c'est devenu une sorte de catégorie en effet délirante, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec son référent réel. À l'arrivée, c'est vrai ce que vous dites, Michel. C'est vrai. Alors, au départ, non. Au départ, il y a cet antisémitisme aussi viscéral et qu'il ne faut pas oublier. Il y a comme un processus de déréalisation. À l'arrivée, oui, c'est fou. Moi, Dominique Fernandez me racontait que son père, un jour, se promenait avec Céline et voyait un défilé, les Allemands au pas de loi qui marchaient, je ne sais pas si c'était rue de Rivoli, etc. Et Céline dit à Ramon Fernandez, c'est terrible, tu les vois là, c'est terrible. Alors, on dit, bah oui, c'est, non, les Allemands à Paris, c'est effrayant.
et Céline, qui détestait les Allemands depuis la guerre de 14, même avant, dit oh, « bah, non, non, mais c'est pas ça, mais regarde-les, regarde-les. T'as vu, ils sont petits, ils sont bruns. Il n'y a pas un qui n'est pas juif, mon vieux. Il n'y a pas un qui n'est pas juif », dit-il en regardant un régiment allemand qui défilait au pas de loi. Donc là, il y a quelque chose quoi, qui fait qu'en effet, à l'arrivée, le juif prend sur lui tout et se déréalise dans une sorte de... Mais c'est à l'arrivée, ce n'est pas au départ. Mmh. François Gibault. Oui, j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit. Il est vrai qu'il y a une sorte de fixation de Céline contre les juifs qui vont supporter toute sa haine. Et après la guerre, comme il n'est plus question, évidemment, d'exprimer la haine pour les juifs, alors ce sont les Chinois qui vont prendre leur lait. J'ai déjà lu ça à plusieurs reprises, et c'est vrai. Dans les derniers livres, ce sont les Chinois qui sont abominables, qui vont envahir l'Europe, qui vont détruire la vieille Europe chrétienne. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est vrai que c'est moins connu quand même, l'aspect anti-chinois de Céline. Ça, c'est en effet moins connu. Ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que André Derval vient de publier l'accueil critique de Bagatelle pour un massacre. Il a repris tous les articles qui ont été publiés. Et c'est absolument ahurissant. Aujourd'hui, c'est impensable. La plupart des gens trouvent ça plutôt rigolo, comme André Gide. Ils trouvent le côté comique, les excès de Céline, son délire, son style absolument surprenant. Et on s'arrête à ça. Et finalement, l'antisémitisme est considéré comme quelque chose de... Enfin, il y a très pas pris au sérieux, c'est ce que voilà. Frédéric disait. On ne peut pas lire Bagatelle pour un massacre en 1938 comme on peut lire, comme on le lit, comme moi je l'ai lu après. La évidemment. Première phrase de Bagatelle, c'est « un peu de vaseline, beaucoup de patience, éléphant en cugule fourmi ». Voilà, je ne dis pas que c'est une phrase immortelle, parce qu'il a écrit très vite, Céline. Et donc, à la différence des autres livres, où il y a quand même un travail stylistique extrêmement admirable, là, c'est écrit un peu jeté. C'est en quelques semaines qu'il écrit ses livres. Mais ça prouve, reste que quand quelqu'un emploie des mots comme la charognerie youpine, et qu'on sait ce que l'histoire, et qu'il y avait un type encore plus fou que Céline, c'était Hitler, le cœur se serre. Et ça, on ne peut pas empêcher un dégoût viscéral à lire aujourd'hui ces livres. En tout cas, la partie antisémite, parce que Bagatelle pour un massacre, la moitié du livre, c'est consacré au voyage à Leningrad. Et c'est des pages, là, admirables sur Leningrad, qui sont superbes. Dominique Jamais. Il y a la lecture après et il y a la lecture avant. Et effectivement, à l'époque où sort Bagatelle pour un massacre, et même après la guerre, des esprits distingués et des défenseurs juifs de Céline disent « C'est pas possible, c'est une blague, c'est une énorme blague, c'est un canular, Céline ne croit pas ce qu'il dit, c'est trop énorme, etc. etc. » Cette thèse me paraît peu soutenable, mais elle a été avancée, elle a été soutenue. Et effectivement, Bagatelle pour un massacre, venant après le voyage, venant après Mort à crédit, etc., est considérée par un certain nombre de lecteurs au moment de sa parution comme une charge énorme et non pas comme quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Quasi auto-parodique. Il ne peut pas penser cela, ce n'est pas possible. Parmi ceux qui avaient défendu Bagatelle, où il y avait un homme qui était un historien qui était de gauche, comme Henri Guillemin, par exemple. Henri Guillemin, qui était un jeune professeur en Égypte, je crois, s'était beaucoup amusé avec à Bagatelle pour un massacre. Et quand on a publié le texte, Henri Guillemin m'avait écrit « Mais comment vous avez trouvé ce texte ?» etc. Oui, il y en a bien d'autres. François Gibault. En tout cas, si je peux résumer tout ce qui vient d'être dit, c'est un livre de circonstances, Bagatelle pour un massacre. Hein. C'est un livre qui est écrit dans un contexte historique absolument particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on le lit, on ne peut pas le lire de la même manière qu'on le lisait entre les deux guerres. C'est la raison pour laquelle, surtout que nous savons, et là c'est là ce qui s'est passé pendant la guerre, et nous savons ce que la Shoah qu'on ne pouvait même pas imaginer avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle Madame Céline, dont je suis le conseil, et Céline de son vivant, elle ne fait qu'exécuter les volontés de son mari, s'est toujours opposée à toute réédition des pamphlets. Mmh. Alors, un jour, dans 20 ans, puisque nous célébrons le 50e anniversaire de sa mort, Nous en serons à 70 ans, Frédéric Vitou. les pamphlets tomberont dans le domaine public. Alors, j'espère que, un peu avant cette échéance, il y aura une édition sérieuse, avec un appareil critique sérieux. Ouais.
ce qui évitera dans 20 ans une publication un peu sauvage et sans explication. Parce que c'est très compliqué, parce que la loi dit que toute incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme doit être est interdite, ce qui est très bien. Est-ce que si on republie Bagatelle au cas où il y aurait une permission, ça tombe sous le coup de la loi, ou bien c'est un livre historiquement à analyser, parce que c'est pas franchement si Bagatelle tombe pas sous le coup de la loi, plus aucun écrit n'y tombe. Donc ça prouve aussi peut-être l'absurdité de cette loi. En tout cas, moi, ce qui me semblerait raisonnable dans un délai décent, c'est une édition critique du type Pléiade, avec un appareil critique extrêmement sérieux, comme le dit justement François Gibault. Ça, ce serait la seule solution pour aussi mesurer cet écrivain, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un bon et un mauvais Céline. Hein. Il y a un Céline avec toutes ses contradictions, et c'est toujours un peu gênant, même si ce sont en effet des écrits de circonstance, de ne pas avoir, pour les lecteurs, pour les chercheurs, pour les universitaires, tous les repères, tous les repères, et donc même la zone d'ombre la plus effroyable. Le procès de Céline, 44-51, dossier de la Cour de justice de la Seine et du tribunal militaire de Paris, textes établis et présentés par Gaël Richard. Dominique Jamais, vous les avez lus, ces dossiers? Oui, ce n'est pas une pièce de plus au dossier Céline, c'est un dossier, au sens propre du terme, c'est le dossier judiciaire de Céline. Depuis l'information lancée en août 44 jusqu'à l'effacement de sa condamnation par le tribunal militaire en 1951. Et l'intérêt de ce dossier me paraît grand, me paraît tout à fait considérable. Bon, d'abord, il y a un aspect qui est comico-historique, c'est tout simplement le très long cheminement de ce dossier, de dessaisissement en dessaisissement, les manœuvres dilatoires des avocats, les avocats qui se tirent dans les pattes les uns des autres, Maître Nau contre Maître Tix et Vignancourt, naturellement la mauvaise volonté de l'accusé, enfin du prévenu, pardon, qui ne tient pas à comparaître. Bref, ça traîne. Et pourquoi est-ce que ça traîne? Autre intérêt historique et privé et célinien, on trouve dans ce dossier du procès de Céline, car on trouve de tout dans un dossier, des factures de gaz, d'électricité, des notes bancaires, des lettres privées, des lettres intimes, des documents sur la façon dont Céline a vécu pendant l'occupation. Et puis on trouve aussi naturellement des mémoires en défense et les conclusions des divers juges d'instruction. Et donc il y a un contraste fort entre le traitement judiciaire de l'affaire Céline et par exemple le traitement judiciaire de l'affaire Brasillach, dont on parlait récemment. Ça n'est pas expédié en 15 jours d'instruction et 6 heures d'audience, ça dure. Et ça dure pour une raison qui paraît tout à fait singulière. Il semble que les premiers juges aient fait le raisonnement suivant. Céline, on ne sait pas trop qui c'est. Oui, c'est un écrivain, bien sûr, on le connaît, on voit, mais ce n'était pas des spécialistes de Céline. Mais ce qui nous intéresse, ça n'est pas Céline, c'est le docteur Destouches. Il y a docteur Jekyll et Mr. Hyde, il y a docteur Destouches et Monsieur Céline. Eh bien, on va s'intéresser à ce docteur Destouches et on va essayer de nourrir le dossier avec les méfaits, les forfaits du docteur Destouches pendant l'occupation. Et pendant très longtemps, 18 mois, 2 ans, l'instruction cherche ce qu'a bien pu faire ce docteur Destouches pendant l'occupation. Et elle fait à peu près chou blanc. Parce que, est-ce que le docteur Destouches a été payé par les Allemands? Manifestement non. Il vivait des droits d'auteur d'un certain Céline. Est-ce qu'il a été utilisé par les Allemands? On en parlait à l'instant, il ne l'a pas été du tout, tellement il était incontrôlable. Alors, est-ce qu'il a adhéré à l'un des partis collaborationnistes, au PPF, au RNP, non. Est-ce qu'il a fait partie d'associations? Oui, il a fait partie d'une association, le Cercle Européen, intellectuel, anonyme, etc., attaché à la réconciliation franco-allemande, mais il en a démissionné dès 1943, parce que le docteur Destouches est un homme prudent, est un homme qui vit en retrait, est un homme qui vit en réserve, qui ne se compromet pas avec l'occupant. Autant Céline est une grande gueule, un pamphlétaire, un génie, quelqu'un qui fait parler de lui, autant le docteur Destouches se fait tout petit pendant l'occupation, se partageant essentiellement entre sa vie privée à Montmartre et des excursions à Saint-Malo. À un moment, on croit avoir mis la main sur un document accablant pour le docteur Destouches. sur deux documents accablants, il a participé à un congrès médical en Allemagne, qui apparaît dans un premier temps comme le pendant
du fameux voyage des écrivains à Weimar et du voyage un peu moins connu des artistes en Allemagne, et puis il apparaît que c'est un congrès médical tout à fait banal et que rien ne s'y est passé, qui engage idéologiquement ses participants. Et puis à un autre moment, et ça nous rappelle le dossier Brasillac, un physionomiste reconnaît le docteur Destouches, il est allé à Catine visiter les fosses communes en compagnie de Brasillac, donc il a servi la propagande allemande, et puis il apparaît que ce n'est pas le docteur Destouches qui était là. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une conférence pas très compréhensible qu'a faite Destouches devant des confrères médecins. On trouve quatre lettres envoyées par lui. On avait parlé de collaboration régulière à des journaux pendant l'occupation. Non, il a envoyé en tout et pour tout quatre lettres au pilori. Ouais. Il a donné une interview à un journal qui s'appelait Germinal. Bref, si on se limite aux activités du docteur Destouches, on voit une affaire qui est de nature à aboutir devant la chambre civique et aboutir à l'indignité nationale, quelque chose comme cela. C'est un cas anodin. Et puis tout d'un coup, comme dans les cinq dernières minutes, bon Dieu, mais c'est bien sûr, un juge plus intelligent, plus pénétrant, plus judicieux. Un juge plus judicieux que les autres dit « mais non ». Pas forcément plus judiciaire, mais plus judicieux. Pas, c'est pas Destouches qui nous intéresse. C'est pas le docteur Destouches, on s'en fout. C'est Céline. Alors, puisque vous n'avez rien trouvé dans les activités du docteur Destouches, intéressons-nous aux activités de Céline. Et à ce moment-là, sont versés au dossier qui était presque vide et qui grossit énormément, Bagatelle pour un massacre, Les beaux draps et L'école des cadavres. Les deux premiers, Bagatelle et L'école des cadavres, publiés avant la guerre, mais réédités, et l'autre, écrit pendant la guerre, Les beaux draps. Alors là, il y a matière, parce que les juges trouvent naturellement un Céline qui n'est pas seulement il est anti-tout. Il est anti-militariste, il est anti-catholique, il est anti-britannique, il est anti-américain, il est anti-maçon, il est anti-communiste, et puis surtout, n'est-ce pas, il est frénétiquement antisémite. Et l'idée des juges de l'époque, elle est conforme d'ailleurs à, comment dirais-je, cette idée se matérialise en bien des époques, c'est ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des livres, ce sont des actes, ce sont des délits, ce sont des crimes. Et effectivement, si vous avez une minute, quand on lit par exemple... Pas beaucoup plus, mais on a une minute. On a une minute. Bon, voilà un texte. Il est écrit en 1941, c'est à ne pas y croire. Plus de juifs que jamais dans les rues, plus de juifs que jamais dans la presse, plus de juifs que jamais au barreau, plus de juifs que jamais en Sorbonne, plus de juifs que jamais en médecine, plus de juifs que jamais au théâtre, à l'opéra, aux Français, dans l'industrie, dans les banques, à Paris. La France, plus que jamais, livrée aux maçons et aux juifs, etc. Texte assez délirant, mais enfin qui quand même a de quoi choquer si l'on songe qu'il est écrit et publié au moment où les juifs subissent ce que l'on sait dès l'époque et ce que l'on sait maintenant. Et les juges versent donc au dossier ces pièces et hésitent pendant longtemps si Céline sera considérée comme relevant de l'article 75, trahison, ou s'il relèvera de l'article 83, atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire, est-ce que ces textes ont été utilisés par l'occupant ? Est-ce qu'ils ont été concertés avec lui ? Est-ce que Céline s'est mis vénalement ou gratuitement, gracieusement, au service de la grande machine de propagande allemande ? Est-ce qu'il a soutenu l'effort de guerre allemand ? Les juges ne s'intéressent que très marginalement, très accessoirement au contenu de ces textes. Ils disent au passage, oh, c'est pas beau du tout ces textes, ils sont très très condamnables. Mais ce qui les intéresse, ce sont les circonstances dans lesquelles ces textes ont été publiés, et ils émettent l'idée que ce qui est possible, ce qui est permis, ce qui est condamnable moralement ou politiquement, mais admissible, c'est de publier ce genre de phrases, ce genre de livres, dans un pays libre, en temps de paix, mais que c'est inadmissible dans un pays occupé et en temps de guerre. Et ce qui frappe quand on lit les pièces de ce procès, et notamment l'incrimination de Céline sur ses textes, c'est que les juges les considèrent comme d'éventuelles pièces à charge, d'éventuelles pièces à conviction dans le dossier Céline, et ça ne va pas plus loin. Et on sait que finalement, elles ne seront pas retenues au point d'entraîner une condamnation terrible contre Céline, je vais conclure là-dessus. Et ce qui est assez vertigineux, c'est de penser que si Céline vivait aujourd'hui,
Je ne sais pas s'il parviendrait à s'exprimer, mais il est très probable, il est certain que les textes en question, ou ce genre de texte, tout simplement ne seraient pas publiés. Mmh. Donc Céline Vivante aujourd'hui serait désamorcée par la loi qui stipule que ce genre de textes ne sont pas publiables et constituent à eux seuls des crimes. Bon, les choses ne se sont pas passées ainsi, et on voit bien que chaque justice est une justice de son époque. La question était de savoir si Céline avait servi ou non l'occupant. La conclusion est qu'il ne l'a pas servi, même si ses textes coïncidaient singulièrement, partiellement, avec les thèses des nazis. Et le dossier Céline, le procès Céline, se clôt sur une conclusion dont j'avoue ne pas savoir si elle est fondée ou pas. Tixier Vignancourt s'est vanté, et son confrère et ennemi, Alberneau, a contesté cette affirmation. Tixier Vignancourt s'est vanté d'avoir fait amnistier Céline par le tribunal militaire, car en 1951, la Cour de justice ayant été dissoute, le dossier Céline a été versé au tribunal militaire. Le tribunal militaire a amnistié Céline, et Tixier Vignancourt a toujours prétendu que c'était un joli coup d'esbrouf qu'il avait fait, et qu'il avait communiqué cette demande d'amnistie à un juge militaire et ignorant, qui, ne sachant pas qui était Céline, a amnistié le docteur Destouches. Je ne sais pas si c'est vrai. François Gibault, vous avez un éclairage? Moi, j'ai entendu Alberneau et Tixier Vignancourt là-dessus. Je les connaissais bien tous les deux, et il est exact que sur le dossier qui était assez épais, il y avait la médaille militaire de Céline qui était épinglée. Or, les anciens combattants de la guerre de 14 pouvaient alors bénéficier de la loi d'amnistie. Comme Céline n'était pas là, c'était un procès par défaut. On n'a pas, ça c'est l'usage, on n'a pas examiné du tout le dossier. En principe, on confirme. Et d'ailleurs, on a confirmé la peine qui avait déjà été prononcée par défaut. Un an plus tôt. Et le président a vu qu'il était que le docteur Destouches, puisque ce n'était pas Céline qu'on jugeait, avait obtenu la médaille militaire et il l'a amnistié. Alors, j'ai connu aussi le président Roynard, qui présidait le tribunal militaire à cette époque. Je lui ai demandé si tout cela était vrai, et c'est-à-dire qu'il ignorait qu'il amnistiait Céline. Il m'a dit « j'ai agi en parfaite connaissance de cause », mais ça, je n'en suis pas absolument certain. Collaborateur ardent, certes, mais libre, absolument libre, et non salarié de la chose, je suis chatouilleux sur ce point. C'est ainsi que Céline écrit en septembre 42. Voilà, ça reste quelque chose d'incroyablement compliqué, mystérieux, assez passionnant aussi. Et puis, si vous voulez en savoir plus, allez voir la biographie de Céline de Frédéric Vitoux. La préface aussi de François Gibault, recueil de textes écrits sur Louis-Ferdinand Céline et réunis par David Alliot, d'un Céline l'autre à paraître en avril dans la collection Bouquins de chez Robert Laffont. Et puis, ces actes du procès Céline et tout le dossier que Dominique Jamais nous a si brillamment présenté. Merci messieurs, d'autres aventures historiques dans Historiquement Chaud, bientôt sur la chaîne Histoire.